في البداية كنوه بهذا النشاط اللي عنده أثر جد إيجابي على التلاميذ، وكنتكلم باعتباري مدير ثانوية تقنية فيها اقتصاد وتدبير، وأعني ما أقول ونقدر نقول لكم بعد مشاركتي في الدورة الأولى ديال لا جورني ديكونومي تبين لي أن الدورة الثالثة تبارك الله، وهذا الشيء ماشي غريب ولا مفاجئ، تبين من الدورة الأولى ديال هذا اليوم أن هذا الشيء غيبقى يتزاد سنة على سنة. Que féliciter ce genre d'activité et les acteurs qui sont derrière. C'est une activité qui traduit encore une fois la volonté d'Al-Qalam d'investir dans la qualité de l'enseignement. Ce qu'on vient de voir, puisque je fais partie du jury, ce qu'on vient de voir, ça réchauffe le cœur d'un enseignant. Et c'est un indicateur de l'assurance pour la future génération. On a vu des jeunes qui se sont investis intensément dans leur travail, dans ce qu'ils ont élaboré. Des jeunes ouverts sur le monde de l'extérieur. Des jeunes qui veulent découvrir le monde du travail, le monde professionnel. Ce sont des jeunes qui essayent de traduire ce qu'ils ont appris dans la classe par le tableau noir, mais ils savent bien que la science n'est pas réservée, n'est pas réduite à la classe. Il faut s'ouvrir et créer. Ce qui réchauffe le cœur également, c'est le niveau d'expression et de communication chez jeunes, aussi bien en français qu'en arabe. Et en anglais, j'oublie pas l'anglais également. C'est le grand déficit de l'enseignement, disons, public marocain. On a donc, il ne s'agit pas d'exception, mais il s'agit quand même d'un nombre impressionnant d'élèves et de jeunes qui arrivent à traduire leurs pensées en mots clairement. Et ça aussi, c'est une grande évaluation du système de qualité d'enseignement qui se fait dans cet établissement. Je ne pourrais donc encore une fois que me féliciter comme enseignant, féliciter l'établissement, et parce que on a découvert une jeunesse enthousiaste et motivé. Je félicite le complexe scolaire Al-Qalam pour l'organisation de cet événement. Je suis agréablement surpris par le niveau des stands en ce qui est la présentation, les objets, le descriptif des jeunes. Et puis ils se sont bien impliqués, ils ont voyagé sur place, ils ont fait des photos, ils ont fait beaucoup d'efforts.
Ben, aujourd'hui, ce que nous avons vu tous ensemble, c'est et ça me rassure, c'est un plan, un arbre qui est bien ancré dans ses origines et très ouvert sur le monde moderne. Nous apprécions à sa juste valeur cette initiative de cette école pilote, et à travers ses élèves, à travers ses lycéens, à travers les cadres de demain, nous avons trouvé le cachet de ce corps enseignant. Ça me rassure. Moi qui avais des doutes forts sur la qualité de l'enseignement au Maroc, je suis aujourd'hui fortement et agréablement surpris par cette jeunesse, et je me trouve une fois encore très rassuré. L'initiative prise aussi reflète un état d'esprit. Les jeunes d'aujourd'hui voient au-delà de l'horizon. Et je loue cet engagement, je loue l'initiative et je félicite très, très fortement et chaleureusement l'institution Al-Qalam. Je vous remercie. ديريكتريس دو جروب ديال الشمال. اول حاجه كنبغي نقولها هي اننا كنشكروا خاصه الاساتذه اللي سهروا معنا في هذا باش حققنا هذا المشروع، وكان يعني لولاهم ما غاديش نكونوا وصلنا لهذا الشيء اللي حنا فيه. التشجيعات ديالهم والسهر ديالهم والمراقبه الدائمه ديالهم، يعني كما كتشوفوا هذا التطور ما بين ذاك العام لهذا العام، الحمد لله ارتقينا لواحد المستوى راقي الحمد لله بشهاده الجميع. اليوم ديال الايكونومي هو اننا يعني نبينوا داك الشيء اللي قرينا وداك الشيء اللي استفدنا في خلال هذا الشيء كامل، وكنتمنوا ان داك الشيء اللي تعلمنا نستفدوا منه ونبينوه باقصى حد ممكن، ونلقاو بالمجهودات ديالنا، والحمد لله يا ربي ما يخيبناش. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Al-Qalam de nous avoir invités pour prendre part à cette manifestation dans laquelle je représente le Centre régional d'investissement de la région Sousma Sadraa. Et étant membre du jury de cette manifestation et en visitant un peu les stands des élèves et en lisant leurs livrets, en visualisant leurs vidéos, je me suis réjouie justement de voir le niveau de cette compétence jeune qui s'investit dans le domaine du tourisme et de l'économie. Et ça démontre justement l'effort déployé par le corps professoral et les enseignants de cet établissement. Ça démontre également l'implication des élèves, et leur travail et leur effort de recherche et des dépouillements de résultats. Donc je les félicite et je leur souhaite bon courage. Et j'espère que cette motivation se concrétisera sur terrain, sur des projets professionnels dans leur avenir.